Rêve un peu ici sur la place Stanislas, deux chœurs encore, et puis notre finale qui va être fantastique, vous allez le voir. Alors, l'avant-dernier chorale, ce sont les Philippines, the University of the... Oui, il y a des Philippins. Alors, où êtes-vous? Manifestez-vous. Il y a beaucoup de Philippins. Regardez-les, ils sont magnifiques. The University of the Philippines, singing ambassador, chef de chœur, Ed Manguiat. And is that right? Ed Manguiat, how do I pronounce your name? Ed Manguiat. Ed Manguiat. Alors ce groupe est tout simplement, figurez-vous, la meilleure formation chorale de votre pays, or the best choir in your country, I'm told. Il provient de Quezon City, capitale légale des Philippines, donc de 1948 à 2000. Le chœur mixte philippin qui se produit dans le monde entier s'enrichit régulièrement de prix internationaux. You get a lot of international prizes. Le répertoire de ces 37 chanteurs est multiple, classique, gospel, contemporain ou variété. Alors figurez-vous qu'ils vont nous faire la louange du soleil. Ils ont bien raison au moment où quelques gouttes commencent à tomber. You're going to sing the praise. His people are, how do you manage? Are you not cold? Are you not cold? Not really. Not really cold. Il n'a pas vraiment froid. Je ne sais pas comment il fait. Alors, donc, on les écoute. We're listening to you. Please bring back the sun. Thank you. From the Philippines.